Bonjour tout le monde, ici Orphée à 2012. Me voici revenu dans mon village de PNJ, avec des PNJ comme vous pouvez voir derrière moi, et sur un lit, enfin à côté d'un lit. Donc je commence par le début. Vous n'avez pas vu mon retour dans le village de PNJ alors que je l'ai gentiment filmé, mais un orage a claqué chez nous, ça a fait sauter les plombs et du coup ça a éteint mon ordinateur et la vidéo pour l'instant est inexploitable. Je l'ai. Ce sera peut-être un goodies un jour que je vous montrerai. Je l'ai, mais on peut pas la lire, on peut rien faire. Bref, c'est la même merde. Et donc là, j'ai un lit devant moi. Pas parce que j'ai tué plein d'araignées en rentrant chez moi. Et oui, au passage, j'ai récupéré tout mon stuff. J'ai récupéré 6 XP alors que j'en avais 7, donc c'est nickel. Mon épée en diamant également. J'ai tout récupéré. Regardez ça comme les PNJ sont heureux de me voir. Ils se sentent obligés de me faire des bisous. Oui, ils sont très câlins. Ou alors je suis la seule fille du village. Je sais pas, j'ai peur. Quel jeu de merde. Oui, et en revenant du point de spawn, j'étais en train de marcher gaiement et je me suis rappelé qu'il y avait un temple du désert. Et temple du désert visité, égal, laine dans mon coffre. Mais j'étais tellement obsédée par le bois que j'avais complètement omis que j'avais de la laine dans mon coffre. Et du coup, j'aurais pu me faire un lit, il y a belle lurette. Bref, ils sont d'accord avec moi, ils disent oui. Voilà, je leur dis que je suis con et ils sont d'accord. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller déjà pousser les PNJ. Allez, bande de cochons, ils me regardent dans le blanc de l'œil. Ils m'aiment. On va tout de suite commencer par retourner... Oh la vache, il m'a fait un arbre super gigantesque. Mais on va pas s'occuper de ça. Là, on va descendre dans notre grotte. Alors là, on va avoir des bornes à descendre. Parce que si vous vous souvenez, on a été quand même allé profondément. Puisqu'on était à la couche 1. Oui, c'est ça que je voulais vérifier. Ouais, donc c'est vraiment la couche 1. C'était pas un bug de la map plane. Donc là, on a tout ça à descendre. Oh, c'est la musique du jeu là, c'est pas une grotte. Donc j'ai repris toutes mes pioches. Le village n'est vraiment pas loin du point de spawn parce que je suis revenue très très rapidement. Et j'en avais même profité pour aller rechercher 3 laines pour me refaire un lit en arrivant. Oh mais quand même, sérieusement, je suis stupide. Oh non. Je suis sûre que vous m'avez dit, redit, je le verrai dans vos commentaires certainement. Mais purée, t'as de la laine dans ton coffre, cocotte. Mais oui, mais cocotte, stressée. Oh bah tiens, stressée par le fait de ne plus avoir de bois. Dans Minecraft, on ne se rend pas compte. Faire une montclair là-dedans, non? On ne se rend pas compte de l'importance qu'a le bois. Et du coup, je suis restée là-dessus qu'il me fallait impérativement du bois. Et j'avais complètement zappé que j'avais déjà de la laine dans mon coffre. Bref, c'est pas grave. Là, pour l'instant, on va faire du minage optimisé. Commencer n'importe comment, je sais. On va faire un minage optimisé pour pouvoir avoir du charbon. Attendez, je vais tester un truc. Ah ouais, c'est mon casque en or qui me fait de la lumière. D'où l'intérêt d'avoir un casque en or. Et sans doute qu'avec Dynamic Light, c'est un système qui fait que ça éclaire bien. Donc là, en plus, je mine, j'ai même pas besoin de poser de torche, quoi. Non mais franchement, super! Il est tout pété parce que comme j'ai explosé avec les creepers. Allez, encore un petit peu de fer. Ce qui serait pas mal aussi, c'est d'avoir du diams. Mais ça va peut-être pas être coton, ça. Allez.
En attendant, je suis bien contente de vous retrouver après l'orage parce que du coup, Fraps ne fonctionnait plus. Mon micro ne fonctionnait plus. J'ai déjà bouffé une pioche. Heureusement que j'en ai pris plein. Et puis là, j'avais hâte de descendre dans le fin fond de la map, histoire de voir s'il y a des grottes. Non. Oh, tcharpoun, 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 tcharpoun. Obligatoirement, il y a des grottes parce que j'en ai déjà vu. Mais du moins des réserves, pas forcément des grottes, mais de l'eau souterraine qui forme une grotte. Enfin bref, c'est compliqué. Si on le trouvait, ça serait beaucoup plus simple. Oula. Vous entendez le bruit de l'endroit sombre? Donc effectivement, je vais mettre une torche ici pour indiquer l'endroit où j'étais passé. Par où il faut ressortir? Parce que l'endroit sombre, on l'a entendu quand j'ai creusé là. Là, il y a de la terre. Redstone. Ah bah oui, il faut une pioche en fer, mais... Donc l'objectif prochain sera d'aller se promener dans le désert pour essayer de trouver un nouvel endroit où on pourrait vivre, genre un autre village de PNJ, et d'essayer de trouver un temple, un nouveau temple, histoire d'avoir des ressources. Genre de la laine. Oh, mais qu'est-ce que je m'en veux? Franchement, je m'en veux parce que c'est complètement niais. J'ai joué la stupide, là. Franchement. Je creuse un peu n'importe comment, mais au cas où je sois perdu, que je me retrouve pas, j'utiliserai Not Enough Item pour me mettre en créatif puis remonter tout droit. Ouais, c'est un peu de la triche, mais vous avouerez quand même, déjà, c'est le couvage de me foutre dans un désert. De me faire aller, pardon. Combien on en a? 12, c'est pas énorme. Je me demande si on a du diamant aussi là-dedans. Parce que bon, les maps planes, moi j'en fais pour ma fille, pour qu'elle joue à Minecraft en mode paisible avec le pack de textures Bob l'éponge. Mais c'est la première fois que j'y joue moi-même, quoi. Donc je ne connais pas. Ah, mais là il va nous faire suer lui. Je ne connais pas les tenants et les aboutissants des souterrains là-dedans. Et le casque en or, c'est hyper pratique parce que ça éclaire vachement. Et une pioche à la mer. Bon ben, bruit, l'endroit sombre, ça devait être le chemin derrière moi, je pense. Peut-être qu'on va trouver quelque chose, peut-être qu'on trouvera rien. Puis en plus, il faut que je slalome entre les... Parce qu'en fait, j'aimerais trouver un diamant pour me refaire des choses en diamant. Enfin, un diamant, donc plusieurs. Parce qu'avec un diamant, je vais me faire une pelle. Mais je suis capable, hein, je me suis déjà fait une houe en diamant. Bon, je continue à forer toute seule, puis on se retrouve après quand je serai en voie de ressortir. Allez, à plus. Coucou, c'est Remo. Alors, je suis toujours pas sortie, mais regardez ce que j'ai trouvé. Tadam! Non, pas un four! Oh, du diamant! Donc, je suis en train de faire fondre mon fer. Dès qu'on en a trois, on se fait une pioche et j'irai chercher le diamant. Enfin, un petit peu de bol, bon sang de bonsoir. J'avoue que j'ai un petit peu de mal à me remettre de cette aventure qui est un petit peu beaucoup difficile quand même. Je m'attendais pas à rencontrer autant de difficultés. Donc je fais ma pioche. Je pioche mes diamants. Et après, on se retrouve. Oh, il y en a combien? Super. Oh putain, 5. Purée, 5. Oh, trop de bonheur, trop de bonheur, trop de bonheur. Oh, 5 diamants. Allez, je vous laisse. Je continue à miner. On se retrouve après. Allez, à tout à l'heure.
Ah, et cette fois-ci, je m'en vais. Je commence à flipper. Je sais plus trop où je suis, je sais plus trop où je dois aller, il y a des bugs. Et ça me fait vachement peur. Donc, allez, on y va, on est reparti, je vois plus clair, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus rien. Je sais pas trop dans quel sens je dois aller. J'espère juste que je vais retrouver la sortie rapidement. En plus, il y a de l'orage encore chez moi. C'est hyper stressant d'être comme ça dans un trou et de pas trop savoir où faut aller. Avant, il y avait de la lumière là, mais il n'y en a plus. Je vais me défendre, tiens, avec ça au cas où. Non, ça, pardon. Bug de lumière. J'ai pas trouvé de grotte, rien du tout. Franchement, il y a que dalle, ça m'énerve. Mais voilà, là, super. Donc déjà, j'ai retrouvé ça. Toi, je te reprends. Du fer, du coup, ça m'en fait neuf. Je peux rien reprendre d'autre, j'ai plus de place. Mais comme je sais plus trop dans quel sens il faut que j'aille, c'est peut-être par là. Je vais me débarrasser de quoi, j'en sais rien. Oh purée. Faut que j'arrive à ressortir de là, il n'y a pas moyen de m'y aller. Mais je voudrais reprendre mon établi au cas où j'en ai besoin. Donc là, on sait jamais. Franchement, faut pas partir comme ça, sans rien. Le four, ma foi, je crois que de la cobble, j'en ai assez pour la fin de ma vie. J'ai rien pour le taper. J'ai peut-être une hache. Oh, j'ai même pas une hache, rien du tout. Je vous promets, c'est hyper stressant. Faites ça comme ça, et là-dedans, il reste plus rien. Donc, allez, je vais me barrer. J'ai plus de hache, de pioche, à part celle en fer. Bien sûr, je vais pas laisser ça, faut pas débloquer. Donc je me suis gardé la pioche en fer pour le retour. Mais voilà. Ah, je ne pensais pas un jour dans Minecraft faire un truc pareil. Là, ça me fait stresser. Enfin de la lumière. Oh bon sang, bonsoir. Donc après, là, il faut que je tourne par là. Oh là là! Mais vous voyez pas, tout est sombre. C'est terrible, c'est terrible. Là, je stresse, mais terriblement. J'espère que je vais réussir à retrouver rapidement la sortie parce que là, ça va pas. Je vais respirer 2 minutes. C'est de là que je viens. Ouais. Là, c'est les premières mines que j'ai faites. Par contre, j'ai regardé. Non, c'est pas ça que je veux. Il fait nuit à première vue. Ah ouais, il fait nuit. Ah putain, je vais pas ressortir de nuit là, je suis blindée à mort. Je vais me mettre dans un coin puis je vais attendre qu'il fasse jour. Et je verrai quand il fait jour avec la minimap, donc c'est bon. Et après, on va essayer de sortir de là-dedans. Et sérieusement, j'ai tout ce qu'il me faut. Et j'ai 14 diamants, c'est formidable. Du fer, je ne sais même pas combien j'en ai. De l'or, j'en ai 7. Le fer est où? 52 fer. Oh la vache, ça va, ça va, ça va. Je suis trop fière. Bon allez, je vous laisse. On se retrouve dans le prochain épisode. Sortie de là-dedans. Et sortie de là-dedans. Et on va faire autre chose la prochaine fois. Allez, à plus tout le monde et merci de me suivre dans mon aventure sur une map plane toute seule dans un désert. À plus tout le monde.